Bonjour, mon nom est Valérie Charron, je suis conseillère à la vie étudiante au Collège Onsic. Depuis 28 ans, le Collège Onsic publie son fameux recueil intercollégial de poésie pour l'instant. Comme vous le savez, malheureusement, cette année, on n'a pas pu faire un lancement en présentiel et donc on n'a même pas pu imprimer notre fameux recueil. On tenait quand même à souligner le travail important de plusieurs personnes ainsi que vous annoncer officiellement les lauréats du concours intercollégial de cette année, en espérant que ça puisse vous faire attendre jusqu'au moment où vous allez enfin avoir le recueil dans vos mains. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le recueil pour l'instant, voici les étapes qui mènent chaque année à sa création. Tout d'abord, les 50 cégeps qui participent au recueil doivent recueillir les poèmes et former un jury qui prendra le temps de tout lire et recruter les 3 poèmes qui se retrouveront dans le recueil. Une fois que les poèmes sont sélectionnés, il faut maintenant trouver la page couverture. Chaque année, il y a un concours de page couverture offert aux étudiants de 3e année dans la technique de graphisme supervisée par M. François Drouin. Cette année, la page couverture a été gagnée par Mme Caterina Tomassini, dont on pourrait voir la page couverture. Bravo Caterina, super belle page, on est vraiment fiers de toi. Après avoir choisi la page couverture, il est maintenant temps de passer à l'infographie du recueil. Supervisée par ses enseignants, M. Régent Pinchot et Mme Colette Sigouin, cette année, c'est Frédéric Étier qui s'est occupé de la mise en forme du recueil. Merci et bravo Frédéric! Finalement, nous tenons à remercier un peu d'avance les enseignants du département de la technique de l'impression, M. Robert Légal et Benoît Potier, qui on l'espère pourront bientôt imprimer notre fameux recueil. Les 132 poèmes sont soumis à un jury formé par des membres de la Fondation Lavalloise des Lettres qui, chaque année, contribuent d'une façon phénoménale au projet. Merci énormément à Aimé Dandois, Christophe Condello, Patrick Coppens et Claire Varin. C'est un énorme travail que d'analyser 132 poèmes. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Mme Claire Varin de vous présenter les lauréats de cette année. Bonjour, je suis la présidente de la Fondation Lavalloise des Lettres et j'ai la tâche heureuse de vous annoncer les résultats des délibérations du jury du Prix intercollégial de poésie 2020. Cette année, 3 prix et une mention ont été décernés. Je commence tout de suite avec Séléna Amara du Collège de Maisonneuve qui reçoit une mention pour « Sérénade », une poésie qui a du souffle et dont l'auteur manie avec aisance la deuxième personne du singulier, procédé qui favorise l'introspection critique. Amélie Ducharme du Collège Montmorency remporte le 3e prix pour Distance, instantanée de l'air du temps, qui aborde les relations entre les sexes avec une désinvolture apparente et des jeux de syntaxe à l'utilité affirmée. Bonjour, je m'appelle Amélie Ducharme et je suis du Collège Montmorency. Aujourd'hui, je vous fais la lecture de mon poème intitulé Distance. Veux-tu que tes doigts coulent des rivières, que ma tresse de paille s'épuise et se délivre-toi, qui veux-tu? Cette chair en os et en femme sur ton insta, gramme de peau réduit à ça. Veux-tu que ma tresse de vie, tu la tires, oui, déchire aussi, arrache la porte, que le voisin tende l'oreille, met ton sel sur vibration. Merci beaucoup. Roxane Grandchamp du Collège de Rosemont mérite le 2e prix pour Le tonnerre scientifique. Ce texte constitue une succession de visions poétiques frappantes, dont la structure énumérative assez insistante laisse entendre le cloisonnement de structures sociales à contourner. Bonjour, mon nom est Roxane Grandchamp et je vais effectuer la lecture de mon poème Le tonnerre scientifique. On marchait parmi les drapeaux. La terre recevait la fumée de l'irréversible peinture. La lune relâchait son étreinte sur les balançoires. L'océan frappait des éléphants géants. On saluait nos rêves dansant sur le téléphone sismique. Nos peurs étaient des casse-têtes puants. L'espoir devenait un pyjama de murmures. Mais maintenant, la lumière coupe la banquette empoisonnée. Notre terre déchire la roue confiante. Nos âmes recouvrent nos souvenirs assoiffés de laine meurtrière.
le brouillard victorieux dessine les lambeaux maladroits. La révolte brûle le cinéma nettoyeur. La douche nerveuse retient le laser historique. Nos cheveux de bois transforment notre cité en couteau. La pluie ne retrouve plus nos mains. Merci. Cette année, le premier prix a été décerné à Alexandre Coton du Cégep du Vieux-Montréal pour « Notre banlieue, Maval ». Sur le thème fondamental de la famille, cette saga minimaliste concilie récit et écriture poétique. Le poème a du relief et certaines de ses images ont séduit le jury par leur fraîcheur. L'auteur semble avoir trouvé naturellement sa voie pour rejoindre le lecteur. Alexandre Coton, Cégep du Vieux-Montréal. Mon poème s'intitule « Notre banlieue Maval ». Saratoga Springs dans le vieil atlas de mon frère. Des maisons cossues, une rivière inconnue. La demeure des voisins ressemble à la nôtre. Leur père, en feu, croit que Dieu lui a volé sa femme. On pointe au ciel des formes familières. Une tarte aux fraises et une échymose cachée. Notre mère étend les nappes humides sur la corde, nouées comme ses doigts presque bleus. Car elle pleure à table et papa ne dit rien. Papa n'a pas d'yeux pour voir que sa femme mouille les nappes. Les enfants ne sauront rien. Nos enfants savent peu. Dis papa, sais-tu que mon nouveau vélo est rouge? Maintenant, voici M. Patrick Coppens, qui depuis 2 ans maintenant remet généreusement un prix en son nom. Je salue toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé au concours intercollégial de poésie. Le prix Patrick Coppens, créé en 2018, est remis à l'auteur d'un des textes soumis à ce concours. Il récompense un ou une jeune poète ayant fait preuve d'audace, de sincérité et d'amour de la langue. Je l'ai doté d'une bourse de $300. Cette année, le prix a été décerné à Roxane Grandchamp du Collège Rosemont pour le tonnerre scientifique. Dans l'ensemble des nombreux textes reçus, souvent plus proches du récit que de la poésie, ce texte s'est distingué. Il démontre chez cet auteur une compréhension des exigences particulières auxquelles on peut s'attendre dans un poème. La succession d'images, parfois surprenantes et souvent évocatrices, dresse le tableau tout en sous-entendu et subtilité polysémique d'un univers au-delà des conventions stériles et de la déplorable rectitude ambiante. À l'année prochaine, et vive la poésie, vive ceux qui l'écrivent, la lisent et la partagent. Félicitations à tous les lauréats ainsi qu'aux 132 auteurs du recueil. Nous espérons pouvoir vous le présenter en main propre le plus rapidement possible. Alors, un gros merci, on vous souhaite une belle journée en espérant que le tout puisse continuer et qu'on puisse trouver un recueil dans nos mains très rapidement. Merci beaucoup, bonne journée.